chez Sandon là. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est hop, la main sous le. Minette. Que bon, c'est juste des trucs de 20 secondes en fait, pas beaucoup. Va toucher. Envy, s'il te plaît. Puisque l'Union astronomique internationale, qui est la seule habilitée à nommer les objets du ciel, l'a validé en 2016. Proxima du Centaure se trouve à 4,2 années-lumière de nous, soit 268 jets. Ah, mais justement, qui nous succédera? Ce seront d'abord Alpha du Centaure A et Alpha du Centaure B, qui, en raison de leur orbite autour du centre des masses communs au système, échangeront leur place tous les 80 ans environ pendant quelques milliers d'années, avant que l'anneau rouge, proche nous actuellement, il devrait venir frôler les 3 années-lumière de distance au plus près dans 26 ou 27 000 ans, ce qui ne sera toujours pas suffisant pour l'avoir à l'œil nu. Que les Homo sapiens existent encore ou non. Une dernière caractéristique concernant Proxima du Centaure nous intéresse. Proxima du Centaure. Elle a donc été baptisée Proxima B. Non seulement ça fait d'elle l'exoplanète la plus proche de nous, mais en plus c'est une planète rocheuse, légèrement plus grande que la Terre et qui se situe dans la zone habitable de Proxima, c'est-à-dire à un endroit où elle lit la surface de Proxima, une moitié de la planète serait chauffée et illuminée en permanence, et l'autre moitié serait plongée dans le noir et le froid en permanence. Et pour le moment, nous ne savons pas si c'est le cas ou pas. Enfin, nous ne savons pas non plus si elle possède une atmosphère. Bref, nous ne savons pas grand-chose de cette exoplanète pour le moment, et il faudra d'autres observations à l'aide proximales au cours de ce siècle et dans des durées raisonnables. Il s'appelle Black Moon Starshot, et c'est un projet privé soutenu notamment par Close Developing. L'objectif est d'y envoyer des nanosatellites accrochés à des grandes bandes solaires pour les propulser avec de puissants lasers et les attirer vers une zone habitable pour que les signaux et les lumières et les éventuelles images parviennent jusqu'à la Terre. Ce projet a été annoncé en 2016 par Yuri Miller, son fondateur, et selon lui... Rêve, caresse, film, café.
Je rêve d'avoir un magasin de canapé. Mais ouais, on sait que t'aimes pas être tout seul, t'inquiète pas. Tant qu'il y a des petits chinois pour faire le travail, hein. Bah ça travaille. Il en a quand même conscience, hein, Laurent, de la chance qu'il a, hein, quand même.